Eh bien salut tout le monde, salut les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale sur la chaîne, c'est la première du genre. Donc dites-moi en commentaire si vous l'appréciez. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit pouce en l'air, hein, bien sûr, qui fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous allons faire une réaction live, donc une réaction découverte du nouveau personnage ajouté sur Overwatch. Donc cette vidéo n'aura pas de montage, hein, vu qu'il s'agit d'une réaction live. Il s'agit de Doomfist. Donc Doomfist qui fait partie de la team Fatal Faucheur en français. Et donc Widowmaker Reaper en anglais. Allez, trêve de bavardage. Zou, c'est parti. Hop. Allez. Et hop. Peggy 12. Donc 88503, ça va peut-être dire quelque chose. Blizzard Entertainment Presents. Depuis la nuit des temps, l'humanité est mise à l'épreuve. Et cette voix, je la reconnais. Le conflit et la guerre sont le moteur de toute évolution. Ça, c'est la voix de Zoudou Masta. Normalement, c'est Terry Crews qui fait ce personnage en anglais. Alors, est-ce qu'en anglais, c'est bien la voix de Terry Crews ou ils l'ont changé? Donc on a un Genji, Presseur. Chaque bataille nous rend plus forts. Chaque bataille nous rend plus forts. Oui, ça c'est bien la voix de Doudou Masta, je me trompe pas. D'accord, il a trouvé comment stopper Genji. Et pour la petite info, c'est Winston qui l'a enfermé, hein, qui a mis Doomfist en prison. Il a réussi à choper une Tracer. Enfin, une Tracer. Il a réussi à choper Tracer. Tracer. L'histoire oublie les vaincus. Nouveau Doomfist en liberté. Des vainqueurs restent gravés dans les mémoires pour toujours. Ça, c'est bien la voix de Doudou Masta. Et ça raconte bien donc comment il s'est fait choper. Enfin, ça raconte sa dernière bataille avant de se faire choper et d'être envoyé au Newf. Alors, on va arrêter. Hop. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos réactions sur les cinématiques de jeux vidéo. Voilà, trêve de bavardage, on va se laisser par là pour cette vidéo. Donc une fois de plus, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye et peace, peace.